Alors bon, la descente des cloches, bien évidemment. Plus tard, il va y avoir le coulage des cloches. Ça va aussi être un moment important et historique aussi. Hein. Je pense que les enfants cavaillonnais, quand ils entendront sonner les cloches, ils diront « on les a vus couler à Cavaillon ». L'idée de la restauration de la sonnerie, c'était de restituer une sonnerie complète qui n'existait plus depuis la Révolution. Ils sont entièrement en matériaux naturels. On a de l'argile essentiellement, un peu de paille, de sable et de crottin de cheval. On a utilisé aussi la cire et de la graisse de bœuf. Quand le métal rentre dans le moule, l'argile est imprégnée de graisse, de cire va se carboniser. Donc c'est ça le noir qu'on voit à la surface du moule. Donc on doit nettoyer et polir après pour qu'elle soit jolie pour le jour de la bénédiction et puis pour leur installation.